Salut, salut! Secondaire en spectacle, c'est un programme de développement culturel et artistique offert aux jeunes des écoles secondaires axé sur l'expérimentation, l'apprentissage et la formation. Ces jeunes qui brûlent d'énergie et d'adrénaline en arrière-scène en sont, pour certains, à leur première expérience de spectacle, alors que d'autres ont juste très hâte d'y remonter à nouveau. Cette année, ce sont les élèves de 11 écoles de la région qui ont accepté de se lancer dans cette amicale compétition. Avant d'aller plus loin, laissez-nous vous présenter les personnes qui joueront un rôle important dans le déroulement de ce spectacle. Malgré des mois de pratique et d'acharnement, ce ne sont pas les jeunes qui vivront le travail le plus difficile ce soir et demain. Croyez-moi, ce sont nos juges qui auront la lourde tâche, soit celle de déterminer parmi tous les numéros présentés ce soir et demain, soit les 6 numéros. Ça se chauffera pas. Si on comprend pas le passe. Les numéros sont évalués selon ces critères. L'originalité, la présence sur scène et le talent. Les différents numéros sont divisés en trois catégories, soit interprétation, création partielle ou création totale. Alors que les disciplines sont musique, danse, expression dramatique et variété. En plus des 6 numéros lauréats, le jury devra également remettre des prix coup de cœur. Ce prix est décerné au numéro qui sera particulièrement démarqué par les critères, mais surtout par la réalisation du numéro dans son ensemble. Et vous, cher public, vous aurez aussi votre mot à dire. Un coup de cœur du public sera aussi remis à un numéro qui aura été le chouchou du public. Ça va être qui le chouchou? Parce que moi aussi, je veux un chouchou. Moi aussi, je veux un chouchou. Ces numéros ne seront cependant pas présentés au rendez-vous pan-québécois. En plus de tous ces artistes ainsi que nous-mêmes, vous aurez la chance de voir ce soir et demain deux groupes d'animation qui sauront vous divertir lors des changements de numéros. Ceux-ci sont en compétition afin de gagner leur place dans l'animation lors du rendez-vous pan-québécois. Chaque groupe vous présentera les mêmes animations qu'ils ont fait lors de leur finale locale et seront évalués par le jury en fonction de l'originalité, de la présence sur scène et du talent. Donc, les gagnants de la première à la sixième place ainsi que le groupe d'animation sélectionné ont automatiquement la chance d'aller brûler les planches au rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle, qui se tiendra à Thetford le 31 mai et au... C'est pas au 2 juin? Les personnes qui ont fait nos feuilles, il y a beaucoup de fautes. Pour ce qui est des gagnants des prix coup de cœur, ils obtiennent la priorité en tant que participants libres lors de ces événements. Mais Benjamin, qu'est-ce que le rendez-vous pan-québécois? On veut savoir. On va dire ça.
Dans le fond, le Parc québécois, c'est le grand rassemblement culturel auquel les jeunes veulent participer. Les artistes gagnants vont présenter leur numéro sans être jugés. Ils vont aussi participer à des ateliers de perfectionnement, des rencontres et des activités de toutes sortes avec un bonus, des souvenirs à la tonne. C'est Ted Ford qui nous accueillera cette année. Cela dit, bonne chance à tous. Avant de poursuivre, je vous invite à respecter chacune des représentations et donc à ne pas crier lors des représentations, à ne pas utiliser le flash, c'est la base, des appareils photo pendant le spectacle. Alors voilà, laissons la place à nos charmants animateurs, élèves de la polyvalente Horizon Blanc de Fermont, Nicolas Cormier et Aymeric Poirier, que vous pourrez suivre à travers leurs différents sketchs présentant les duos célèbres. Je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde! Bonsoir tout le monde! On espère que vous allez bien! Ouais! Vous êtes sûr de ça? Ouais! Yes sir la gang! En tout cas nous autres ça va super bien. Je vais nous présenter vite fait. Moi c'est Nicolas Cormier et lui c'est Aymeric Poirier. Ouais! Yes! En gros, on va faire histoire courte. Nous autres on vient de Fermont, on a pris l'avion, on a pris le char. On est bien content d'être là avec vous autres ce soir. Yes! Ce soir, comme Liam l'a dit, on va vous présenter nos petits sketchs humoristiques à travers des duos célèbres connus. On espère que vous allez les reconnaître. Sur ce, je vous souhaite un bon spectacle et une bonne soirée! Bon, on va commencer ça en force avec une chanson qu'on a faite des Denis Drelais. Alors, mesdames et messieurs, pour le premier numéro de la soirée, dans la catégorie interprétation de la musique de l'école polyvalente des Berges, le titre du numéro s'appelle Flower. Veuillez accueillir chaleureusement Christelle Durand. On était bien et si beau, comme dans un rêve, c'était. On s'est aimé, puis déchiré. J'ai vu notre maison brûler. Je voulais pas te quitter, je voulais pas mentir. J'ai tant pleuré et j'ai pensé au pire. Mais je peux m'acheter des fleurs, écrire mon nom sur le sable et me parler pendant des. Je voulais pas te quitter, je voulais pas mentir.
J'ai tant pleuré et j'ai pensé au pire. Mais je peux m'acheter des fleurs, écrire mon nom sur le sable et me parler pendant des heures, dire tout ce que tu ne comprends pas. Je peux danser avec moi-même, tenir ma main pour de vrai. Oh, je m'aime comme tu m'aimeras jamais. Je m'aime comme tu ne 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 m'aimeras jamais. Je voulais pas te quitter, je voulais pas mentir. J'ai tant pleuré et j'ai pensé au pire. Mais je peux m'acheter des fleurs, écrire mon nom sur le sable et me parler. Tu ne comprends pas. Je peux danser avec moi-même, tenir ma main pour de vrai. Oh, je m'aime comme tu m'aimeras. Oh, je m'aime comme tu ne m'aimeras jamais. Je m'aime comme tu ne m'aimeras jamais. Je m'aime comme tu ne m'aimeras jamais. Je m'aime comme tu ne. Ah, ça fait plaisir. Bon. Pour le deuxième numéro, dans la catégorie interprétation musique de l'école Jean du Nord Manicouté, voici Il m'a montré à You Do par Yodley, par Gabriel Rosal. Bonsoir. J'ai entendu qu'on aimait bien le country ici, c'est vrai? Ben ça l'a donné même parce que dans ma famille aussi. Puis j'ai eu la chance d'avoir une tante qui chante beaucoup puis qui est très très bonne, qui est en fait ici ce soir là. Puis elle m'a appris comment chanter la tune que je vais vous chanter pour vous ce soir. Puis j'espère que vous allez aimer mon numéro.
Allô? Dans une ville où le crime règne depuis trop longtemps et où la terreur s'est installée, seule une personne accompagnée de son fidèle acolyte peut mettre hors d'état de nuire les malfaiteurs. Et ils arrivent tout droit de Drummondville pour vous en mettre plein la vue. Mesdames et messieurs, Batman et Robin! Sam, Nico, n'avez-vous pas trop d'argent à ces costumes? Non. La vraie question que tout le monde se pose dans la salle ici dedans, là, c'est qu'est-ce que tu fais en Batman? On avait dit que t'étais Robin! Quoi? C'est parce que Robin, là, il est pas beau, il est pas fort, il est plate. Personne l'aime. Moi, je veux juste te faire une surprise en arrivant ici à soir de même. Là. Ben oui, une surprise. Tu parles d'une belle surprise, tu sais. Un show, là, il est gâché. Deux Batman. T'as-tu déjà vu ça, toi? Non. Ouais. Je propose qu'on règle ça d'une façon, avec un duel, comme des vrais hommes. Tu veux t'essayer? Ouais. T'es sûr? Ouais. OK. Étape. Ah ouais, vite, je t'attends là. Ça me tombe plus. Vous l'avez dit, c'était moi le vrai Batman. Le vrai Batman, il a un vrai beau costume, vous trouvez pas? Pour le numéro 3, dans la catégorie création partielle variété, Fleurs fanées par Laurence Caron, Ève-Marie David et Ophélia Desjardins. De l'école polyvalente des baies. Des baies. Les troubles alimentaires constituent la troisième maladie chronique chez les adolescents. Depuis mars 2020, les hospitalisations ont augmenté de 60 % chez les adolescentes de 10 à 17 ans. Pour donner du courage et de l'espoir à toutes ces adolescentes, voici Fleur Fanny. Comme une fleur qui n'arrive pas à s'ouvrir.
visage de tous ceux qui pourraient la regarder. Oh oui, pour fleurir, il lui faudra du temps. Car à chaque fois qu'il se regarde, il se sent fané. Son image dans le miroir n'est pas ce qu'elle voudrait y voir. Et ce que les autres disent sert juste à la décevoir. Toutes les fois où elle en a parlé, lui a permis petit à petit à se libérer. Aujourd'hui, sa douleur se dissipe et la noirceur s'éclaircit. Tout ça est encore fragile. Commence à se trouver belle. Oh, comme une fleur qui n'arrive pas à s'ouvrir même si le soleil présent. Elle se cache de tous ceux qui pourraient la regarder. Oh oui, pour fleurir, il lui faudra du temps. Regarde et se sent fané. Son image dans le miroir n'est pas ce qu'elle voudrait y voir. Est-ce que les autres disent juste là de se voir? La catégorie interprétation, musique de l'école secondaire Serge Bouchard, voici « Ça va, ça va » par Félix Pelletier. Sur le boulevard de la vie, en destination vers la mort, nous étions partis. Et puis Dieu, dans son char, s'arrête sur le bord et me dit: hey mon fils, veux-tu que je te fasse un livre? J'ai dit non, ça va, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne laisse plus très loin. Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne laisse plus. Et que je ne laisse plus très loin. Nous marchons sur ce boulevard dans la nuit. Et puis les ciels et ses aurores étaient ma foi si jolis. D'un coup le vent était fort et puis
Puis le temps intégré, sorti nulle part, un vieux moteur s'arrête et me dit: hey, tu sais, mon gars, j'ai tellement entendu souvent dans ma vie, où ma sentence, la romance, et puis le restaurant aussi. Et tu sais que le temps se fane, moi j'ai perdu ma femme, et j'ai perdu tous mes amis aussi. Je n'ai plus aucune compagnie, alors monte moi un lit, puis accroche-toi, on va te prendre. J'ai dit: ben beau tout ça, moteur, mais t'auras pas des idées noires, quelque chose du genre. Ben non, ça n'a pas rapport, c'est juste que moi j'ai côtoyé la mort. Et si je t'invite, mon basic, c'est pour que ta route aille un peu plus vite. On va flyer 100 000 à l'heure, brûler notre gaz très dans le bonheur. On va rouler sans s'arrêter, moi de lui répondre très embêté: non, ça va, je vais marcher. Et j'ai dit: non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Encore une grosse semaine à secourir l'autre princesse. Pas capable de rester à la maison tranquille une semaine, celle-là, je te dis, moi. Faut bien chialer. Pas toi qui vas encore de se faire prendre pour un éboueur sur le bord du chemin matin parce que je porte une chemise verte et une salopette bleue, là. Regarde, man. Calme-toi, là. Prends-toi un café, tire-toi une bûche, ça va bien aller. Non, non. Là, je t'aboute, là. C'est tout en toi que le monde choisisse dans Mario Bros, puis dans Mario Kart, puis dans tous les jeux Mario. T'as-tu déjà vu quelqu'un choisir Luigi en premier? Ben non, c'est ce que je te disais. Tout le temps choisi en deuxième. Me fait tout le temps dire que je suis en poubelle. Là, on est par-dessus la tête. Ouais, mais gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Moi, je suis beau, je suis fort, puis je sens bon. Pas pour rien, tout le temps, moi qui sauve la princesse, là. Ta princesse. C'est un dragon avec une carapace de tortue. Non, un peu. Tout le temps rendu chez Bowser à toutes les fins de semaine. C'est un dragon avec une carapace de tortue, des pics sur le dos, il crache du feu, puis pourtant, elle choisit bien lui à la place de toi. Mêle-toi de tes affaires. OK. Mais viens pas dire que je t'avais pas averti. Ben oui, c'est ça, hein. Tu l'avais pas averti. Mais allez broyer un coup, moi. Le prochain numéro sera dans la catégorie interprétation musicale. Ce numéro nous vient tout droit de l'école Monseigneur Schaeffer. Le numéro s'appelle Les Échardes, qui sera chanté par Kathleen Purcell. Une bonne main d'applaudissements, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Bonsoir. Je m'appelle Kathleen Purcell. Je vais vous chanter la chanson Les Échardes de Charlotte Cardin. J'espère que vous l'aimez. On a vu sans fin nos vies, puis on a
après, évidemment sans succès. Dans la catégorie création parcelle, danse de la polyvalente Horizon Blanc, voici un souvenir de toi par Lou Lévesque et Émy-Rose Quentin. Chère Émy-Rose, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis probablement plus de ce monde. Comme tu le sais, depuis quelque temps, ma santé s'est beaucoup dégradée. Mon but n'est bien évidemment de ne pas te faire pleurer, mais tu te rappelles les moments si chaleureux que nous vivions quand nous étions ensemble, à l'âge de 8 ans, quand nous dansions sous la balançoire que ton grand-père nous avait fait. J'espère que tu te rappelles de la danse que nous avons créée ensemble. En tout cas, moi, même de là-haut, je m'en souviendrai. J'espère que tu te rappelleras de moi. Je te souhaite une belle et longue vie de ton ami Lou. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, cette aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me raconte des histoires. Conversation imaginaire avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Si on a peur que je tienne pas le coup, je sais que t'es là pas loin, même si c'est faux. Les faux, c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Thank you.
Vous savez tous que Marimée a rénové bien. Mais connaissez-vous Sylvain Rénove, l'expert en la matière? Bonjour, monsieur! Ish! Toi, t'as de l'air d'un gars qui se lave pas. T'as de l'air... Tu viens pour une génératrice. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'as de l'air d'un gars qui se lave pas depuis une couple de jours. C'est pas si pire que ça. Mais attends, moi, de montrer ce que j'ai. OK. Cite là, le modèle bain de base à gaz. Oh, OK, est-ce qu'il existe d'autres modèles que ceux à gaz? Ben oui. C'est un, là, les écologistes aiment plus bien ça, les patentes à gaz. Ils aiment bien mieux quand ça marche à l'électricité. OK, mais le but d'une génératrice, c'est pas de faire l'électricité quand il n'y a pas d'électricité? Ouais. Pour ça qu'ils citent, j'ai des modèles qui marchent au soleil. Comme ça, pas de gaz, pas de pollution. Donc là, les écolos là, sont bien contents. OK, ouais. Je comprends le principe de l'écologie encore une fois, là, mais s'il y a un nuage qui passe dans le ciel, ça marche plus. Non, t'as bien raison. C'est pour ça qu'ils citent. Il y a des lumières ultraviolettes. Ça, là, c'est bon pour faire le job du soleil, même quand il n'y a pas de soleil. OK, ouais. Mais il y a une affaire, là. C'est que comment qu'ils marchent mes lumières si j'ai pas de courant? Pour ça, là, tu retournes acheter la génératrice à gaz. OK. Avec ça, t'es bon pour plugger tes lumières ultraviolettes. Ils vont faire la job du soleil sur ta génératrice 100% électricité. Comme ça, les écolos là, sont bien contents. OK, mais dans le fond, vous achetez les droits. Ouais, pis c'est bien cher. Vendu. Maintenant, dans la catégorie interprétation de musique. Une armée dans ma voix par Jérémy Dumais de l'école Jean du Nord Manicouté. Salut, officier Pierre! Ça va bien? Je suis venu ici pour jouer une toune. Ça s'appelle « Normes et dans ma voix ». Ça a été composé par le chanteur Louis-Jacques Cormier, interprété par le chanteur Rémi Chassé. Avant de commencer, je voudrais dédier cette toune-là à une personne très chère pour moi qui m'a encouragé dans la musique toute ma vie. Puis c'est ça. Pas cette musique-là est pour toi. Save some.
encore moi. Bon retour de pause. Le prochain numéro, ce sera dans la catégorie interprétation musicale de l'école Ouachkakan. Voici Différent par Jesse Ouellet. Mesdames et messieurs, désolé si je vous ai fait peur. Pour vous montrer à quel point nous sommes polyvalents, nous allons vous présenter un numéro hors de l'ordinaire. Mesdames et messieurs, place à la danse. DJ, musique. Thank you.
Juste pour vous mettre en contexte, tout le long de l'hiver, j'ai été en chaise roulante. Fait que quand on a tourné notre spectacle, ben j'étais en chaise roulante. Fait que c'est là pourquoi que j'ai fait mon numéro en chaise roulante. Alors, mesdames et messieurs, pour le 9e numéro de la soirée, dans la catégorie création partielle danse, qui nous provient tout droit de l'école polyvalente Horizon Blanc, le titre de ce numéro se nomme « Elle était là ». Elle sera dansée par Thalie Auclair, mesdames et messieurs. Une bonne main d'applaudissements! Homicide. Hier, à 14h15, une autre étoile est montée au ciel. Un autre drame dans notre société. Un monde sans pitié où une femme a encore été tuée. Elle brillait comme une étincelle au moment où tu es venu vers elle. Elle est tombée sous ton charme sans savoir que cette histoire allait finir en larmes. Tu l'as fait tourner comme une vraie poupée. Tu l'as emprisonnée de son monde réel et tu l'as coincée dans ton monde irréel. Elle t'aimait à s'embroyer les os quand elle ne savait pas à quel point elle avait la tête sous l'eau. Tu lui as fait des scénarios, toujours avec grands mots, alors que pour toi, elle n'était qu'un numéro. Tu l'as tapée, frappée, étranglée et pour finir tuée avec tes mains qu'elle ne voulait qu'aimer. Jamais le petit Robert aurait pensé que dans notre ère, le mot féminicide aurait été populaire dans un monde qui se dit ouvert. De son corps décimé, tu l'as regardée. Elle s'était enfin libérée. Mais toi, tu ne venais que de t'emprisonner. Tu es venu vers elle, l'assassiner, comme une simple chenille écrasée. Tu as pointé ton arme sans même verser une larme. De ta détresse psychologique, tu en es devenu alcoolique. L'entrelacer pour mieux la torturer. Jour après jour, ce besoin de t'alimenter. Tu l'as tapé, frappé, étranglé et pour finir tué avec tes mains qu'elle ne voulait qu'aimer. Son corps était d'une beauté à laquelle tu as succombé. Tu l'as privé de sa liberté, exploité et bafouillé sans que personne puisse la rassurer. De ton être ravageur, tu lui offrais des fleurs. Juste pour que dans son cœur, elle ne puisse voir toute ta noirceur. Tu lui as promis avec des grands gestes d'être pour toujours ta princesse. Elle est partie briller, et toi, tu vas peut-être recommencer. Ma maman pleure souvent, puis mon papa à moi écrit tout le temps. Si jamais je le dis, promettez-moi de garder le secret. Mais mon papa, moi, des fois il est méchant avec maman. Elle me dit que c'est rien, que c'est des choses de grand, mais je le vois bien. Je suis sûre qu'elle est malheureuse. Parce que mon père la traite tout le temps de niaiseuse. C'est papa, moi j'ai pas peur. Non, je le vois dans tes yeux. T'es une brebis, pas un chasseur. T'es juste un petit peureux. Un jour, maman, je vais l'amener ailleurs. Je te souhaite d'être chanceux. Le karma, c'est un prédateur. Il va te faire payer ses bleus. Papa, moi j'ai pas peur. Non, je le vois dans
C'est correct? Non, pas de problème. J'étais même pas encore embarquée sur 5, j'étais déjà avec de brouiller. Bon. Dans la catégorie interprétation, musique de l'école Jean Dinan en Manicouté, il y a encore une faute. Voici. Bon, savez-vous quoi? Mesdames et messieurs, oui, les messieurs ont le droit de pleurer aussi. Voici Effet de masse par Amy Dupont. D'habitude, je suis pas vraiment touchée pour mes chansons, mais cette année, je voulais faire différent. C'est un sujet qui touche presque tout le monde. Il y a du monde même qui en vit. L'intimidation, moi, par exemple, j'en vis à la vie courante pour des questions que je me poserais pas. Mais un moment donné, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire avec ça parce que je m'en sentais vraiment plus bien. Puis moi, je vous dirais, la meilleure affaire à faire, c'est d'en parler ou juste d'aller chercher de l'aide parce que personnellement, je sais pas où ce que je serais aujourd'hui si je n'aurais pas fait ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon numéro puis mon spectacle. Dans ta rue, c'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu. Il partage ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire dans la vie. Dans les bris de couloir, dans les beaux bureaux en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur des écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse. Vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Tu l'as voulu que gros et t'as ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans les bris de couloir, dans les beaux bureaux en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous cogne sur des écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse. Dans la catégorie interprétation variété de la polyvalente Horizon Blanc, voici Le Vol par Alicia Proulx.
Est-ce que vous passez une belle soirée? Oui! À ce soir, je suis là parce que je voulais vous raconter une histoire, mais une histoire de transport. Parce qu'on sait que ce soit sa route ou en avion, il y a toujours quelque chose qui se passe. Toujours. Fait que moi et ma mère, on est allé à cette île avec, tu sais, les petits avions que le monde prenne pour mourir en général. Là, on arrive à l'aéroport, puis, tu sais, on voit tout de suite que ce sera pas une promenade dans le parc, là, tu sais. L'avion est... l'aéroport est gros comme un bureau de poste. Puis on n'est pas beaucoup, là, on est 14. Petit groupe. Fait qu'on rentre dans l'aéroport, puis on s'en va voir la madame au comptoir. Puis elle a un micro, elle. Puis tu sais, on n'est pas loin, là, une distance d'un bras. Mais elle prend quand même la peine de caler dans son micro. Puis tu vois qu'elle y croit même pas elle-même, là, tu sais. Et comme « Prière de vous présenter à la porte d'embarquement numéro 1 ». C'est comme « On l'a vu, sa porte passée avec un screen là-bas ». Fait qu'on arrive sur la piste, pis tu sais, si l'avion est pas sécuritaire, au moins, donne l'apparence de sécurité. Je sais pas, moi, passe la mop, cerveau, t'as un minimum. Ben non, hey, on entre dans l'avion, c'est sale, pis ça sent l'urine. Là, je regarde en l'air, je suis comme « Écrime, on n'est pas les premiers à voir pas dans ce banc-là, certain ». Fait qu'on s'assied, puis le pilote embarque après nous. Puis il vient s'asseoir avec nous parce qu'il n'y a pas de division dans ces avions-là. Là. C'est vraiment des petits avions. Ben, si ça te tente de faire une petite joke pendant le vol, tu risques le manche, j'ai pas de stress, là. Fait que il part pour starter l'avion, puis nous, tu sais, on n'est pas trop ses nerfs, tu sais. On est encore à terre. On est encore à terre. Mais c'est la réaction du pilote qui nous met ses nerfs. Puis il se fauche, puis il se massacre après l'avion, lui. Parce qu'on l'entend, il est assis avec nous dans la cuisine. Et comme « esprit de colline de tabarnouche », il dit « ça fait deux fois cette semaine-ci que cet esprit de cochonnerie-là, moteur de patate à gosse, marche pas. » Là, il appelle à la tour de contrôle, puis on est comme « ils vont le faire changer d'avis, là. Ils vont le raisonner, ils vont le calmer, là, tu sais. » Fait que là, sa réponse à la tour de contrôle est comme « Serge, t'es pas sérieux, colline, ton moteur est encore pété, tabarnouche. » Là, il répond, puis il dit « m'a envoyé le gars. Le gars. Puis ça, c'est le réparateur d'aéronef. On voit-tu le gars pour que t'en as, hein? Ça, c'est détail, mais c'est important pareil. Puis on entendait un bruit de tondeuse au loin. Puis dès qu'ils ont appelé le gars, le bruit de tondeuse est arrêté. On a tout de suite compris que crime, il y a deux jobs. Puis il s'en vient, lui, puis il a l'air d'un gars qui a deux jobs. Puis il y a la démarche d'un gars qui s'est fait kicker par un cheval. Puis, il arrive, puis il met son coffre à outils à relais de l'avion. Puis, il sort un gros escot. Puis, il touche à rien, il ne fait pas une boute, rien. Mais il se met à faire ça après l'avion. Il est comme bing, bing, bing. Assez pour que ma mère, elle me regarde, puis elle me dise, qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je suis comme, je sais pas, il doit être en train de faire sortir les mulots, on n'a aucune idée. Moi, plus que je le regarde travailler, j'ai plus le goût qu'il répare cet avion-là, là. C'est comme, on est à terre en sécurité, va pas réparer ça tout croche, 3 minutes 50, qu'on prenne la tude puis qu'on se crache d'un buisson, on le lâche ça. C'est comme, on est à terre en sécurité, va pas, il y a des roues sur l'avion, on est arrivé en roulant, on va continuer, pas obligé de prendre les airs, tu sais, on va prendre la route comme tout le monde, ils n'auront jamais vu un avion, ça a 3,89, ça va être débile, laisse-moi ça. Mais il s'entête, lui, puis il réussit à faire démarrer l'avion. Mais on s'entend que le check engine est encore allumé, là, je peux pas croire. Fait que, on réussit à décoller, mais c'était pas évident parce que il y avait des nids de poules sur la piste. Moi, je me disais, ça peut être normal, tu sais. Ce qui est moins normal, par contre, c'est qu'il y en a encore dans les airs. Et moi, tout le long du vol, j'étais à manger de même. Tant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 
Merci. Merci. Mesdames et messieurs, en l'honneur d'un de nos grands acteurs québécois décédé le 29 mai 2023, nous allons vous présenter un extrait du film de Père en flic, mettant en vedette Michel Côté et Louis-José Houde. Dans cette scène du film, le fils tente d'apprendre la psychologie à son père. Check pas. C'est pas compliqué, là. Dans le chapitre « Comment être un bon psychologue », ils disent « Tu ne donnes aucun conseil. Tu ne juges pas. Tu leur fais comprendre que tu les entends. » Ben, maudit, certain que je les entends. Pas sûr non plus. Je suis pas rendu non trop vieux, là. Wow. Non, non. Là, entendre dans le sens « Entendre leurs émotions ». Ah. L'écoute active, là, c'est l'art de faire parler l'autre. OK, ben ça, c'est facile. Je connais ça. C'est comme un interrogatoire. Ouais. Mais sans claque sa gueule, mettons. Ah, OK. Check. Pas compliqué. Moi, te montrer. Tu... un peu, c'est la page de paix. Ils disent, tu leur montres que t'es ouvert à ce qu'ils disent. Tu répètes ce qu'ils disent. Puis tu hoches la tête en faisant Ben, gars, c'est facile. J'écoute ce qu'ils disent, je répète ce qu'ils disent, puis je fais T'as le intéressé, là. Un peu plus, là. Un peu moins. Faut que tu compassionnes un peu, là. Mets un peu d'empathie, là. Refais-le donc, ouais. As-tu mal au dos, ou... Je pense que... Refais-le une dernière fois, là. Ah, là, on tient quelque chose, par exemple. Ça va être ça. Pour moi, c'est pas mal le mieux que tu peux faire. OK. Ça va être ça. On va enchaîner par la suite avec, dans la catégorie création totale, expression dramatique, le talent qui m'est ancré par Raphaël Sirois de l'École polyvalente des Rivières. Bonjour, je sais pas comment me présenter. Qu'est-ce que je dois vous montrer, de quoi je dois vous parler? Comment pourrais-je arriver à vous intéresser? Un numéro chanté, un numéro dansé? Non. Pour moi, c'est pas assez. J'aurais jamais pu deviner que ça pouvait être aussi dur de plus que se présenter. De vous parler, de vous raconter de ce qui peut se passer dans ma tête, dans mes pensées. Comme Barbara Pravi l'a si bien dit, voilà qui je suis, mise à nu, c'est fini. Quand je veux m'exprimer, je reste bloqué, paralysé, ensorcelé. C'est en écrivant que j'arrive à me libérer. Ce n'est pas toujours facile d'assumer son style. J'essaie, mais c'est difficile. J'aime la scène. Plus besoin de me regarder, seulement besoin de vous impressionner. Mais c'est au moment de la compétition qu'on se remet le plus en question. Vais-je réussir? Suis-je à la hauteur? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que je vais accomplir? Pendant des semaines, je me suis interrogé sur le talent que je voulais vous présenter parce que j'ai pas le physique pour danser, je n'ai pas la voix pour chanter. Mais je veux quand même essayer de vous épater pour être fier de moi et enfin me relâcher. Je me suis cherché, jamais trouvé, toujours enfermé dans cette forêt embrumée. Jamais délaissé, mais toujours égaré. Dans ce moment de la soirée, je m'apprête à vous présenter mon écriture, ma signature, ce talent qui m'est ancré. Si j'écris, ce n'est pas seulement pour faire beau, car parfois, moi aussi, ça m'arrive d'être à fleur de peau, de chercher mes mots et de les perdre au fond de l'eau. C'est normal et c'est loin d'en être banal. Si vous êtes là, ce soir, à m'écouter, j'espère être capable de vous faire voyager au plus grand des bals masqués, là où mes mots arriveront peut-être à vous faire valser. Avec toute cette chaleur qui se dégage du fond de mon cœur, car, oui, ce soir, je me suis senti à la hauteur. Face à vous, face à moi, face à cet événement. Nous sommes à secondaire en spectacle. Nous, les artistes, vous, les réceptacles. Je suis enfin de retour ici,
Et oui, devant vous aujourd'hui. Je le veux tout le temps, je le veux pour la vie. Mais avant d'être ici, je me suis interrogé sur le talent que je voulais vous présenter. Parce que même si j'en ai rien à faire des préjugés, je veux quand même essayer de me surpasser. Pour être fier de moi et enfin me relâcher de cette pression que je suis plus capable d'endurer. Merci. Peut-être que oui, peut-être que non. Je peux parler là, tant qu'ameublement Tanguy fait sa job? Parfait. Hey, cool, ça. Prochain numéro dans la catégorie interprétation musique de la polyvalente de Rivière, Burnout Fugue de Fabrice Charest. Mesdames et messieurs, aucun jugement n'est toléré. Après avoir fait le tour de pas mal tous les sujets, on s'est dit qu'il manquait quelque chose, un petit quelque chose, et on s'est dit un peu de théâtre. Donc, mesdames et messieurs, place au théâtre. Ah, Juliette! Pourquoi es-tu si belle encore? Dois-je croire que le spectre de la mort est amoureux et que l'affreux monstre décharné te garde ici? Tes bras, tes yeux, bras à une dernière étreinte et ses douces lèvres scellées par un baiser. Wouhou! Juliette, vous puez affreusement de la gueule!
Vous avez mis trop d'ail dans votre spaghetti. Cette odeur qui schlingue me fait défaillir. Ah, Roméo! Je me rappelle bien dans quel lieu je dois être, et j'y suis. Mais où est donc mon Roméo? Roméo! 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 Wow! Pas trop proche, hein? J'ai surmonté les murs de pierre, mais je ne surmonterai sûrement pas ton haleine. T'as pas pensé à utiliser l'hystérine? L'hystérine qui élimine 99,9% des bactéries. Et l'odeur de l'ail! Mais ça doit pas être si pire que ça. Ben voyons. Tu tousses trop fort, tu fais sauter la couche d'ozone. Là, arrête de décrocher ton rôle, là. On t'est rendu où, donc? Ben oui. Je bois la fiole de poison et je meurs. Donc, ben dégueulasse, ça. Peux-tu me dire ce que tu as mis là-dedans? Ben, gars, moi, j'ai pas apporté de liqueur, rien de pharmon. Fait que, gars, j'ai pris ce que j'avais dans ma valise. J'ai mis du jus de pruneau. Du jus de pruneau? Ben ouais. Ouf. T'as pas encore appris que Juliette avait les intestins fragiles? Ben voyons! Juliette! C'est à vous autres, tu sais, d'aller nommer? Allô? OK. Pour le dernier numéro de la soirée, mesdames et messieurs, nous allons dans la catégorie création partielle musique. De l'école secondaire Serge Bouchard. Le titre du numéro se nomme New Gen. Je vous demande une bonne main d'applaudissements pour le dernier numéro, mesdames et messieurs, qui est fait par Lucas Landry, Anna Lucia Savard, Florence Arsenault et Florence Girard. On les applaudit, mesdames et messieurs, allez! Je regarde tout ça, là. J'ai vraiment pas l'impression d'être des années 70. Ah. Ouais, je suis d'accord parce que c'est moi où je vois des cellulaires. Hey, on dirait bien que oui. Excusez, on est en quelle année? 2024! Quoi? Mais c'est pas possible. On était supposé être des années 70, on n'est pas partout à la bonne place. Bah, ben, c'est pas grave, on aurait juste à retourner dans la machine à voyager dans le temps. C'est vrai? Ouais, c'est sûr. Perte de temps. La machine est en feu! Quoi? Non. Non, mais... Mais là, ça veut dire que je me suis toute préparée pour rien. Mon habit, toute. Mais je voulais vraiment faire mon show des années 70. Oh non, je boude. Eh bien, écoute, on a juste à faire le spectacle ici. En plus, on a tout le matériel pour ça. Ouais. Est-ce que... désolé, public, par cause de problèmes temporels, nous serons obligés de vous faire le spectacle. Est-ce que ça vous tente que New Gen vous fasse un spectacle? Je vous entends même pas! Bon, donc on va vous présenter J'entends frapper de Pagliaro. N'hésitez pas à chanter, danser, frapper avec nous! We'll be right back.
Alors, merci le public. Alors, pour commencer, j'aimerais remercier mon groupe juste ici. À la guitare, basse, nous avions Lucas Landry! Let's go! Au chant, nous avions Florence Arsenault! À la batterie, Florence Jurand! Et finalement, à la guitare électrique, moi-même, Anna-Lucia Savard! D'ailleurs, je voulais aussi prendre le temps de remercier le public, tout le monde ici. C'est grâce à vous qu'on est là. J'espère que vous avez aimé votre petite immersion des années 70, même si c'était pas un spectacle pour votre époque. Puis vous étiez vraiment un public de feu. Ben, comme la machine, là. Hein? Ah, mais oui, c'est vrai, la machine est en feu! Mais comment on veut rentrer chez nous? Oh non, oh, oui, ça. Non, non. T'as raison. Ça veut dire qu'on va rester pogné ici pour toujours! On se revoit dans une autre époque! Oh! Yes! Bon, OK. Avant de lire le paragraphe, en fait, un devoir de français complet... J'aimerais qu'on donne une main d'applaudissement pour toutes les artistes qui sont ici ce soir, ainsi que les équipes d'animation. Avec des mots qui font des images et des images qui laissent sans mots, la fabrique culturelle ne manufacture pas la culture, mais nous fait découvrir la vraie nature de nos richesses culturelles. Dans cet esprit, l'équipe éditoriale de Télé-Québec sélectionnera une performance d'exception parmi les participants de toutes les finales régionales de secondaire à spectacle pour représenter et faire rayonner le talent des jeunes du Québec d'aujourd'hui. Le ou les participants sélectionnés feront l'objet d'une session de hashtag la fab dans les prochains mois afin de produire une capsule qui sera ensuite diffusée sur lafabriqueculture.tv sur ses réseaux sociaux. La sélection sera dévoilée sur les médias sociaux de secondaire à spectacle. La Fabrique culturelle à l'occasion du rendez-vous Pas québécois 2024. Félicitations et bonne chance à tous les participants. Comme le concours se déroule sur deux jours, aucune remise ne sera faite ce soir. Soyez des nôtres demain soir afin d'assister au dévoilement de nos grands gagnants. Je vous remercie d'avoir été présent à ce spectacle et je vous annonce qu'il sera possible de visionner le spectacle sur Nous TV dans les prochaines semaines. Bonne fin de soirée à tous. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.